Mauvaise nouvelle pour ancien sénateur élu Guy Philippe. Nous connaissons qui supposé libérer jeudi 7 septembre 2023. Eh bien, PM Ariel Henry décide de bloquer Guy Philippe pour ne pas rentrer dans le pays d'Haïti. Après 6 années, il finit passé dans la prison pays États-Unis, quand il était jugé coupable pour l'agent drogue, il était blanchi, il était dans la police là, avec faux nom, il était qu'on utilisé pour être capable de faire transfert l'agent. N'a pas invité autant de plus de détails sous dossier cela. Sénateur, officiellement libre. On y a nous consulté empêchement là. Quand que nous t'ai écrit ministère intérieur, nous connaissons PM Ariel qui ministre intérieur AI, nous t'ai écrit directeur immigration, nous t'ai écrit ambassadeur haïtien à Washington, nous t'ai écrit consul haïtien pour te ba nous soit passeport sénateur ou bien yo ba nous ordre de route pour permettre sénateur à venir la caille. Mais jusqu'à date, tout bagage préparé, ticket payé, mobilisation préparée jusqu'à cette récente minute. PM Ariel pas jamais délivré nous ni passeport là ni ordre de route là qui cap permettre sénateur Guy Philippe d'entrer dans pays je que la loi permet ça. Je vous parle de avec quoi ça va pas de monsieur encore. Bien dit jusqu'à présent date 7 là nous qu'aider parce que ou qui dans les jours qui viennent je décide pas nous ordre de route là ou bien décide pas nous passeport mais dans le cas contraire pas nous passeport là entrer demain il pas possible. Mais n'a profité tout. N'a profité dès demain pour nous chita avec la communauté haïtienne qui est dans la diaspora pour nous expliquer le travail que nous avons fait en Haïti. Parce que je dis là, l'insécurité qu'il a, son insécurité programmée, son insécurité que nous, pour qui ça nous est, le Niger prend responsabilité, pour qui ça nous est, Burkina Faso prend responsabilité, pour qui ça Mali prend responsabilité, et nous autres, les haïtiens, est-ce que nous avons chita toujours en bas Occident? Eh bien, c'est ça. Mais nous comprenons que la bataille qui va venir mener là, c'est une bataille qui va mener nous sommes contre l'Occident et contre l'insécurité programmée ça, que nous avons mis dans le pays qui fait là, nous libres. Et jusqu'à présent, nous sommes entrés dans le pays nous, nous avons quitté le passeport, nous quitté en deux ou là, nous avons entrer dans le pays nous. Donc c'est bataille ça, nous avons peur. Et toi ou tard, Haïti a libéré. Vous savez qui Philippe qui a mené la bataille de libération pour Haïti? C'est pas une bataille qui Philippe, c'est une bataille moi-même. Ou même, c'est nous tous ensemble qui allons mettre ensemble. Je dis ça qui va sur Niger là. Où est que CDAO, qui dit à l'intervenir au Niger, qui ça nous est? Peuple nigérien campé. Yo dit au même, yo dit à parce que je la France avec l'Occident a pillé le pays, yo estime que ça que la France a fait, c'est là pour mettre des esclaves, yo décide de prendre ses Romains. Et bien, je dis, nous sommes haïtiens. Et me dis clairement, nous n'avons pas besoin de policiers, non? Pour nous combattre ça qui a fait là. Nous avons besoin de 600 policiers. Qui conscient de la situation pays, qui conscient que, on nous garde la situation Mounta pour faire, Mounta y'a deux, Mounta bas, je dis à tout le monde qui est dans la caillou, à cause de l'insécurité que nous avons planifié dans le pays. C'est partage ça que nous autres, nous avons vu faire dans le pays là, pour nous essayer de délivrer le pays, à même avec le Niger. Vous parlez de 600 policiers, oubliez l'armée, vous c'est seulement la police qui est capable de. Écoute ceci, nous avons l'armée embryonnaire. Nous avons l'armée mal équipée, nous avons l'armée fantoche, nous avons l'armée qui sous côté occident. Comment qu'on comprenne que, à quelques mètres de palais national, à quelques mètres de grand quartier général, et puis on dit, mais tu fais le caïmoun. Est-ce que nous connaissons les tu fais caïmoun, grand écrivain? Est-ce que nous, les gens, nous parlons? Côté dame qui est responsable de la fondation GPT Clérion, Mario Lengil. Côté nègre qui est responsable de NDDA, Champion Espérance. Est-ce que j'aime bien parler? Je dis, on se sent confortable parce qu'on a fait un travail pour l'Occident. C'est ça qui est un barbecue. On nous prend exemple. Jimmy Cherichet. On se sent promotion. C'est ton policier qui est toujours prêt pour le bataille. Il y a une intervention au niveau Grand Ravine. Malgré que des policiers tombent. Nous, que NDDH avec la Fondation GPT éclairé, de faire un rapport contre Jimmy Cherissier, ils ont transformé Jimmy Cherissier en barbecue. Je veux dire, c'est ça que va nous là. C'est même NDDH ça. C'est même la Fondation GPT éclairé ça, qui va nous tirer la blé, qui va nous iso, qui va nous vider l'homme et bien d'autres bandits dans le pays. Donc, moi, que le commissaire gouvernement fait une erreur, quand il est vide l'ouko, pour qu'il soit vide l'ouko, parce qu'il a une vérité. Est-ce que ça soit une incitation à la violence? Le fait que les dit aujourd'hui là, ou pas gagner une cocotte dans la rue. Tout le monde a le bandit. Je dis au bandit, on fait plus de recrutement de la police. Ils ont recruté plus de monde que la police. La majorité des jeunes garçons qui levent dans le ghetto, ils ont choisi avec des hommes. Mais si phénomène Bouakale qui a commencé à continuer, on va t'apprendre ça encore.
et même les responsabilité pour me dire avec le retour du sénateur Guy Philippe va nous garantir la commencer le changement. Étant donné que les sénateurs ont débuté dans le pays, mais PM a eu un ordre de l'État, nous pouvons identifier ça qui est la cause de l'État. Écoute, nous-mêmes, en tant que légalistes, nous faisons ça la loi qui nous fait. Nous avons écrit ministère intérieur, nous écrit immigration, nous écrit ambassadeur haïtien aux États-Unis. Jusqu'à date, nous ne pouvons pas faire. Pour qui raison qui fait que nous ne délivrer nous ni passeport, ni pas de pour entrer dans le pays. Nous. Dans ce pays, nous l'avons entré. Pour qui ça que je tiens là, il y a un empêchement. Là, il y a un problème. Parce que d'après là, oui, dire, est-ce que nous connaissons le pire bouton dans le pays là? Pas de papier toilette dans le magasin pour la gagne. Oh, c'est nous, mais on connaît. Mais ça a tellement utilisé papier toilette dans le jour ça là, parce que le sénateur a montré, presque magasin pas de papier toilette là. Donc c'est pour l'une des raisons qui va nous dire, PM Ariel Henry, s'il vous plaît, nous demandons, bah nous, passeport sénateur là, ou bien bah nous, hôte de là, pour nous entrer dans le pays nous, pour nous continuer la bataille. Est-ce que sénateur Guy Philippe, lui-même, est-ce qu'il est libéré et à l'échelle internationale? C'est parce que le sénateur est libre qui fait que nous demandons hôte de là. Et demain, à peine Sylvanie. À peine Sylvanie, que pile médecin à Capla, parce que officiellement, dès 10h du matin, que pile médecin à Capla, à peine Sylvanie, Captain sorti sénateur Guy Philippe. Et donné que la paille aux conférences de presse avec journalistes internationaux, et d'autant plus, la tout rencontré communauté haïtienne qui est aux États-Unis. Ça veut dire, et Guy Philippe a pris demain, si vous 10h du matin, officiellement, sénateur Guy Philippe est libre et prêt pour tourner dans le pays. Et si qui fait du retour de passeport, à qui est-ce que nous avons dans le pays ici? Si que l'État ici, jusqu'à date, nous délivrons nos passeports, ou bien on déroule, demain 4h, dans l'après-midi, sénateur Guy Philippe est supposé payer. Est-ce que vous êtes sénateur, parce que c'est vous n'avez pas à voir avec ce qu'il a besoin de dire, qui fait du retour de passeport dans le pays? Écoute, nous avons utilisé toutes les voies légales qui tracées par la loi pour nous jouer une autre de route, nous jouer un passeport. Parce que ce n'est pas une faveur. C'est un droit que vous avez en tant qu'haïtien pour gagner un passeport. C'est un droit que vous avez en tant qu'haïtien à défaut de passeport là, pour gagner un autre de route. Pas oublier. C'est pas Guy Philippe qui a mis la technique au DPA. Pas oublier. C'est l'État haïtien, c'est même l'État fait ouais, ça. L'État corrompu ça. Qui débloque le sénateur Guy Philippe, il a déporté lui. Et puis, oh, en violation. En ce qui concerne la constitution, je t'ai déporté sénateur. Mais je dis là, je ne suis pas capable de supplier l'État haïtien ça pour le bon passeport ou bien autre pour entrer dans le pays. Et en parlant de Guy Philippe, il y a un monde qui a fait quoi et immédiatement sénateur dans le pays de la société a eu pu pénible par rapport à ça qui était posé comme quoi et vandalisé comme ça au niveau des pays de Kaï. Et vous voulez se faire une jeune maintenant. Vous voulez se faire une jeune maintenant. PM Ariel sentir qu'elle va supporter. Il va pas prendre ça. Il va pas prendre ça. Il autorise le sénateur à entrer dans le pays immédiatement libéré. C'est-à-dire que jusqu'à date, demain si Dieu veut, le sénateur va entrer dans le pays. Donc, nous allons parler ensemble avec le sénateur. Nous connaissons demain à qui le sénateur a entré dans le pays. Parce que la bataille, ça a mené là, monsieur. Nous ne pouvons pas mener une bataille contre le pays, non. Nous ne pouvons pas mener une bataille contre l'Occident. Je dis qu'il faut Haïti libéré. Il faut que les Haïtiens qui me désignent pour dire qu'il faut Haïti libéré. Même avec le Niger, même avec Burkina Faso. Et le sénateur m'a dit nous ça. Je vais arrêter Nelson Mandela. Je vais arrêter Nelson Mandela. Jusqu'à présent, nous étions confiants, c'est notre la de démissionner dans le pays d'Haïti. C'est l'information que vous avez mais là, soyez bien dit, nous autres, nous avons la loi comme boussole. En tant qu'esclaves, la loi, c'est la loi que, qui trace et qui dit voilà, mais qui procédure pour nous suivre. Donc nous avons dit, bataille nous a mené pendant 6 ans, des gens qui vont être quoi. Des gens jusqu'à présent, après les 6 ans, et qui ont commencé à m'en tourner. Avant de dire, qui ont commencé à m'en tourner. Et ça fait la vie tout le monde. Tout le monde est Cité-Soleil, Cafoufeuille, Kayade, Matisse, tout le monde bandit faire quitter Kayo, n'a pas eu rendez-vous devant l'aéroport international pour aller recevoir le sénateur dit parce que il y a un complot qui a marié là. Il a assassiné le sénateur. Et c'est bien compté, mal calculé. Même Jean Edmire a planifié forcément qu'il ait assassiné Jovenel Moïse. Il a planifié parce que
Yon pile nègre aujourd'hui là, qui te met assassinat Jovenel Moïse. De ce ben j'y pas osé maintenant, nous n'en donnons pas là. Et nous parlons avec retour sénateur Guy Philippe, qui travaille diversement. Ce soit de ce ben j'y ferme, ou bien de ce ben j'y ferme au travail, parce que travail de ce ben j'y doit faire un travail impeccable. Il va faire un travail, il va faire un groupe monde, il va faire un groupe monde. Faut que tout le monde aille en prison. Merci. Pour parler de Guy, nous comme c'est marron, et nous avons été complices de l'arrestation en ce sénateur. Nous ne parlons pas de l'arrestation. Pour parler de l'arrestation, faut le délégal. Pour ça, il y a des gens qui t'ont dit. Pour parler d'arrestation, faut le délégal. C'est l'homme qui t'a dit. Ça, bon, nous disons, je ne vais pas faire ça. Parce que y'a des qui ont fonctionné, je ne vais pas faire ça. Automatiquement, sénateur, si dans le dernier article 95, l'homme toujours pèse sur lui. Si on lit bien, qui Philippe t'a dit ça, immunité parlementaire, oui. Effectivement. Y'a des qui ont immunité parlementaire. Ou bien, ou déboîtel, on parle d'arrestation. Et article 276, constitution, il est clair. Il dit Haïti. Pas qu'à ratifier aucun accord, aucun traité, aucune convention qui a placé au-dessus de la Constitution. C'est une forme de journaliste qui veut que notre Constitution, tant que tableau mère, soit placée au-dessus de tous les traités, accords, conventions et autres. On parlait de ça, et on ne peut pas confirmer, ou bien protéger avec son dia. Je dirais dans le DCPJ lui-même, fait qu'on ait des gens qui ont le pouvoir, par rapport avec l'immunité, pas qu'à mettre dans le rapport de DCPJ, par rapport avec l'assassinat de ce Jovenel Moïse. Je dirais là, il m'a arrêté, du Philippe lui-même, par rapport avec l'immunité qui vient dans le balcon. Écoute. Songez bien tout. Occident, de vous pas travailler pour lui, la travaille à tout prix pour l'éliminer. Et m'a dit nous ça clairement. Où est travail, sénateur qui va lui faire, m'a nous garantir ça. Occident va jouer pieds aimés pour lui empêcher le sénateur de faire travail. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Haïti là, je dis là, c'est réserve le monde lié en matière d'eau potable. Nous pas ça. C'est réserve le monde en matière d'eau potable. Donc il y a besoin de ça. Mais il y a besoin d'un gouvernement véreux. Il y a besoin d'un politicien véreux pour faciliter, jouer ça au besoin. Pendant ce temps, nous toujours pour la misère. Nous toujours dans le grand bout. Nous toujours dans la souffrance. Nous toujours dans le chômage. Donc il n'y a pas besoin de monde. Quand il y a ceux qui aiment le peuple, non. De vous aimer le peuple pour mettre là. Vous méritez le mort. C'est pour ça aussi que vous comprenez. C'est pour une des raisons, nous autres. Non seulement, nous disons que nous avons un sénateur. Et comme nous avons des rumeurs qui ont circulé, prétexte que. Et de ce que j'ai arrêté, c'est la vie. Moi, je me suis dit que j'ai arrêté de faire ça. Merci.